Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Angers, congrès des économistes de la construction, l'INTEC. Et j'ai avec moi Monsieur Hervé Lebras, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et démographe. Oui. Vous m'avez dit que vous étiez où est-ce que vous enseignez ? Je suis directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. C'est une école où enseignent des anthropologues, des historiens. Il y a eu Lévi-Strauss, Brodel. Ça a été fondé par l'historien Fernand Brodel. D'accord. Aujourd'hui, vous allez intervenir ici au congrès de l'INTEC dans un grand débat qui va parler de rupture. Moi, je voulais savoir un petit peu, que vous me dévoiliez un petit peu à l'avance ce que vous allez raconter. Et vous me disiez que vous vouliez parler de la question du risque, entre autres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au fond, on a une vision de la société en classe sociale. Et on s'est aperçu, avec cette épidémie du Covid, que finalement, les difficultés les plus grandes n'étaient pas forcément du côté des plus pauvres, ou de la différence entre les plus pauvres et les plus riches, mais du côté de ceux qui prenaient le plus de risques. Et des métiers, au fond, qui étaient très peu valorisés, des métiers de livreur, des métiers, y compris des métiers de personnel d'entretien dans des hôpitaux, dans des cliniques, des personnels d'aide à la personne, étaient beaucoup plus exposés, des caissières aussi. Et donc, il allait falloir, dans les années à venir, tenir compte beaucoup plus de ces personnes, à la fois parce qu'on s'est aperçu qu'elles sont essentielles, si elles prenaient des risques, c'est parce qu'on avait nécessairement besoin d'elles, mais aussi, il va falloir tenir compte du fait qu'elles prennent ces risques-là, et donc ça va impliquer une vision assez différente, je pense, de la société, si on a le courage d'y faire face. Et je pense qu'on sera obligé, parce qu'il y a eu un très grand dévouement de ces personnes, mais si il n'est pas valorisé, ça risque de ne pas se reproduire, et des épidémies risquent de se reproduire. Voilà, il y a l'autre risque, comme le risque environnemental, où ici on peut avoir besoin de... Est-ce que c'est lié ? Est-ce que ça peut être lié ? Non, je pense que là, il n'y a pas eu de lien. On est plutôt dans ce qu'on appelle l'effet papillon. Il a suffi, au fond, qu'un organisme microscopique, un coronavirus, soit absorbé par un animal sauvage, puis mangé par un chinois, et puis ça s'est multiplié. Donc là, l'environnement, non. On peut condamner les marchés d'animaux sauvages en Chine, voilà ce qu'on peut faire. Mais il n'y a pas de lien avec l'environnement. Et le risque environnemental, c'est pas un risque du tout du même ordre, parce que d'abord, il est beaucoup plus lent à venir. Certainement aussi, certaines populations vont être plus menacées. Mais par exemple, prenez le risque lié au relèvement des océans. C'est un risque qui est très lent, même si actuellement on est à peu près à 3 mm de relèvement, vous voyez que ça prendra beaucoup de temps. Voilà, ça prend plus de temps et peut-être... Le temps de s'adapter, si vous voulez, absolument. Voilà, ça prend le temps d'adapter. Donc d'abord, la gestion du risque. Et on a vu que cette crise nous avait appris qu'il fallait peut-être mieux le gérer, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Vous m'avez parlé aussi de bilocalisation. Alors ça, de quoi s'agit-il ? C'est-à-dire, au fond, c'est une évolution de l'articulation entre résidence et activité. C'est-à-dire qu'on voit, même avant l'épidémie, un nombre croissant de personnes, plutôt des cadres, qui ont à la fois un domicile pendant 2, 3, 4 jours de la semaine à la campagne ou bien assez loin d'une ville. Et puis, pendant le reste de la semaine, sont dans une grande ville. Et ça combine à la fois la nécessité des rencontres, de la culture dans la grande ville ou dans la métropole, et puis aussi le désir de nature, le désir d'espace, et c'est facilité par le télétravail. Donc l'accélération qu'a connue le télétravail en France va jouer, et en plus de ça va combiner une chose que montrent les enquêtes, c'est que les Français sont assez peu satisfaits du télétravail quand il y a uniquement cela. En revanche, s'il y a une combinaison de télétravail et de travail, je dirais, en contact direct, là, ils sont tout à fait d'accord. Et on voit que dans d'autres pays, c'est une formule qui prend de l'ampleur. L'Allemagne, par exemple, ou l'Angleterre sont assez en avance sur la France. Sur ces questions. Mais là, on touche des populations, vous disiez, des cadres, hein, plutôt des...
est-ce que ça peut toucher aussi d'autres populations? Est-ce que c'est quelque chose qui va aller, vous dites que ça va aller en s'amplifiant? Est-ce que d'ores et déjà, on voit d'autres types de classes sociales s'intéresser? Ça peut, on voit, c'est plutôt pour l'instant des cadres. Ça touchera aussi des employés, mais au fond, vous savez qu'il y a une bizarrerie en France, c'est que plus on s'éloigne des villes, plus la proportion d'ouvriers et d'employés augmente dans la population, comme il n'y a plus d'agriculteurs ou presque. Et en revanche, plus la proportion de cadres diminue. Donc les ouvriers et les employés sont déjà assez souvent à la campagne, en dehors des villes ou à proximité des villes. Donc pour eux, le besoin d'avoir, par exemple, un jardin ou le besoin de nature est déjà en partie comblé. Donc en plus de ça, ils sont sur des métiers qui nécessitent une présence, un travail de la matière, donc qui ne peut pas se faire à distance. Ça, c'était la deuxième rupture, ou en tout cas le deuxième sens de la société, on va dire. Vous parlez également d'autorité. Oui, je pense que c'est une question qui va se poser. On voit difficilement prise en compte, parce qu'on a vu des initiatives des mairies, des initiatives des régions, donc on est dans le rêve qu'il va y avoir une décentralisation. Or, c'est l'inverse qui est en train de se produire. On voit que c'est l'État qui reprend de plus en plus la main sur un très grand nombre à la fois de questions industrielles, mais aussi de questions de mode de vie, le fait d'interdire ou de permettre la circulation, ou même cette histoire du port du masque, c'est une reprise de l'autorité. Et ça, c'est historiquement, les grandes crises ont toujours vu à la sortie des grandes crises l'autorité davantage de l'État. Autorité. Et là, en l'occurrence, l'autorité de l'État. Et l'autorité de l'État va s'accentuer. Elle va s'accentuer pour une autre raison qui est... Elle s'est assez largement dissoute. Là, en venant ici à Angers, quand je suis allé à pied jusqu'à la gare Montparnasse de mon domicile, et j'ai simplement compté le nombre de personnes, la proportion de personnes qui n'avaient pas de masque. C'est une personne sur sept. C'est quand même une personne sur sept qui ne respecte pas l'autorité. Alors, on parle d'incivilité, ensauvagement. Ben, là, c'est clairement un manque de respect de l'autorité. Et je pense, alors ça s'explique parce qu'il y a des consignes contradictoires, parce que aussi, les Français étant beaucoup plus éduqués qu'il y a une cinquantaine d'années, ils estiment que leur bon sens l'emporte, qu'ils ont le droit, que c'est leur liberté, vous avez entendu. Voilà, c'est leur liberté. Et puis que, bon, oui, finalement, vous le voyez d'ailleurs, par exemple, j'ai l'enquête de l'IFOP. Il y a une enquête de l'IFOP sur les personnes qui refusaient de porter le masque. Eh bien, 36% d'entre elles sont des cadres, alors que les cadres ne sont que 16% dans la population. Donc, vous voyez, c'est pas... Et davantage de femmes, si je me souviens bien de cette étude. Oui, il y a aussi davantage de femmes, vous avez tout à fait raison. Mais les femmes sont plus éduquées que les hommes, je vous signale, en France. Donc, ce n'est pas du tout des gens laissés pour compte ou qui n'ont pas compris. Il y a une tendance, là, de refus d'autorité au nom, au fond, d'une vision simpliste de la liberté. Comme vous le savez, la liberté s'arrête où commence la liberté d'autrui. Et, d'une certaine manière, une vision, je dirais, anarchisante des gens qui souvent d'ailleurs ne sont pas du tout prêts à voter pour les anarchistes. Oui. Donc en fait, il y a deux choses qui se télescopent, on va dire. Il y a à la fois davantage d'autorité de l'État et davantage de refus de cette autorité. Et donc, quand il y a ce phénomène-là, ça, au fond, ça enclenche un cycle où ça augmente un cycle vicieux, où ça augmente encore l'autorité de l'État. Il faut se souvenir, là, je vais faire un tout petit peu d'histoire, mais que le monde moderne a été créé au XVIIe siècle, justement, sur une très forte poussée de l'autorité, ce qu'on appelle les monarchies absolues modernes, pour empêcher la poursuite des guerres de religion qui avaient ensanglanté l'Europe pendant près d'un siècle, de la guerre de 30 ans, la guerre des religions en France, la guerre civile en Angleterre. Et pour venir à bout de ça, et qui était une revendication d'une extrême méfiance à l'autorité de la part des populations, il y a eu un renforcement extraordinairement fort de l'autorité. De l'autorité. Donc on est dans une période comme celle-ci. Pas aussi grave, si vous voulez, parce que oui, ça n'a rien à voir avec les guerres de religion. Mais on est dans ce type de mécanisme où, la dialectique, on pourrait dire, entre refus de l'autorité et croissance de l'autorité risque de s'amplifier, et c'est l'autorité qui gagnera. Alors, dernière question, les économistes de la construction, hein, ce sont des entreprises, ce sont des gens qui interviennent sur le plan économique. Si vous aviez un message à leur délivrer par rapport au constat que vous faites, vous, dans votre travail, quel serait-il ?
Je dirais qu'il se trouve que j'ai travaillé sur la question du logement, plutôt du logement social, mais il est compris dans l'ensemble du logement. Et je trouve que cette question du logement n'a pas été très bien traitée dans les mesures qui ont été proposées. On est sur le logement essentiellement sur la question climatique, c'est améliorer l'isolement, l'isolation des logements. Or, les problèmes de logement actuellement en France, je pense, sont graves. On produit moins de logements. Il y a des problèmes aussi sur les accessions à la propriété. On va par exemple avoir une épidémie d'impayés dans les logements fragiles. Les problèmes aussi de zones tendues ne sont pas réglés. La contradiction entre faut-il faire une ville verticale ou faut-il aller justement à la campagne. Et je trouve que ces sujets-là, ils n'ont pas vraiment surnagé. On a cru, au fond, on a l'impression que le gouvernement s'en est débarrassé au profit au profit justement de l'écologie, et aussi parce qu'il n'y a plus de grand ministère de la construction, du logement, etc. C'est éparpillé dans toutes sortes de ministères et de directions. Et je pense qu'actuellement, il y a un vrai problème, je dirais. Alors, je connais mal les problèmes des constructeurs eux-mêmes, bien sûr, oui. Mais au moins, ils sont directement concernés par le logement. C'est très intéressant parce que c'est un discours, moi qui baigne dans ce milieu, qu'on entend rarement, ce que vous venez de nous dire. Donc, merci. Merci d'être venu sur le plateau de Bâtis Journal nous le dire. Une émission donc à retrouver sur notre site internet Bâtis Journal TV et bien sûr sur le site de notre partenaire l'Intech. Merci à vous.